Ici Jess Archambault. Je me trouve au centre de réadaptation de l'Estrie, CIUS de l'Estrie, CHUS à Sherbrooke pour rencontrer l'équipe qui a réalisé un projet de recherche visant l'accompagnement des personnes âgées atteintes de déficience visuelle. Je m'appelle Caroline Pigeon puis je suis stagiaire postdoctorante au centre de recherche sur le vieillissement. Donc le projet s'appelle APIC pour accompagnement personnalisé citoyen d'intégration communautaire. Et le principe, en fait, c'est de jumeler un bénévole et une personne âgée avec une atteinte visuelle pour qu'ensemble, ils réalisent au cours de rencontres hebdomadaires durant 6 mois des activités de participation sociale. Je m'appelle Julie Cournoyer, je suis travailleuse sociale en déficience sensorielle. Il y a certaines personnes là, qui, quand ils se retrouvent avec une atteinte visuelle, les objectifs de vie sont chamboulés. Et nous, on travaille ici pour reconstruire ces objectifs de vie-là avec toute l'équipe en déficience visuelle là, qui peut contribuer autant au niveau de l'aide technique que de l'aide psychosociale. Puis moi-même, ayant une déficience visuelle, j'ai pu un petit peu parler de moi pour un peu... normaliser peut-être certaines choses, certains préjugés que les gens peuvent avoir aussi, répondre aux questions des gens. Je regardais dehors souvent, puis je me disais, j'aimerais donc ça, marcher. Là, bien, avec l'handicap, bien, c'est devenu avec des limites. Bon, bien, mon nom est Diane Audette, j'ai une très basse vision. Et la travailleuse sociale du centre de réadaptation m'avait appelée pour faire partie de ce programme-là. Mon nom est Michel Filteau. Mon rôle, je suis accompagnateur auprès de personnes avec une déficience visuelle. Quand je marche avec Mme Audette, j'apprends des choses. J'apprends même que si j'étais dans sa situation, que juste le bruit de sa canne, ça me fait apprendre si c'est de la glace, de l'asphalte, du gravier. La personne accompagnée, grâce à son bénévole, maintenant sort très régulièrement de chez elle. Donc c'est déjà une belle victoire et puis je pense que ça va aller plus loin au cours de l'intervention. Quand on part puis que là, on a fait de bonnes marches, là, vraiment, là, je suis contente. Oh, je suis fière de moi, autrement dit, là. On fait une bonne équipe, franchement. Ça fait du bien.